Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je voulais introduire un vidéo feuilleton, car en effet, je viens juste de terminer un compendium inspiré de la doctrine sociale de l'Église, intitulé donc « Une France catholique et royale, pour Dieu, la France et le roi ». Donc là, nous sommes sur la page de garde, et je tenais à mettre ici l'image des cœurs unis, qui est fort vénérable. Je vais vous lire un message à ce sujet de Notre-Dame. Donc la Sainte Mère dit « Loué soit Jésus, ma fille, j'ai été envoyée aujourd'hui avec trois promesses importantes concernant la révérence de l'image complète des cœurs unis. L'âme qui expose cette image et la considère avec révérence recevra par la main du Père éternel la grâce d'être attirée plus près de sa divine volonté, bien que le monde se sépare de plus en plus de sa volonté éternelle et parfaite. Mon Fils bien-aimé promet la protection de toute la cour céleste aux âmes qui vénéreront cette image. Par l'intercession de mon cœur immaculé, les âmes consacrées à cette image seront protégées de l'hérésie. Veuillez le faire savoir. » Donc, si vous voulez plus de détails, je vous invite à aller sur le site saintamour.org. Donc, voilà, j'ai mis 5 ans à rédiger ce travail, c'est-à-dire un quinquennat. C'est un document de 75 pages, police 12. Donc j'ai passé des milliers d'heures, j'ai lu des centaines de documents pour aboutir à cette finalisation. Alors ce projet était ma deuxième priorité. C'est-à-dire que ma première priorité était mon union à Dieu à travers l'étude de la foi, la prière et les sacrements. Effectivement, je prie environ 2 heures par jour et je vais à la messe tous les jours. Il faut aussi savoir que j'ai un travail et que cela prend du temps. Mais j'ai, voilà, donc j'ai mis 5 ans. Je vais faire éditer ce travail en format papier et en format PDF. En préliminaire de ce document, j'ai mis 3 citations. La première de Saint Pie X rappelle qu'il n'y a rien à inventer, mais qu'il faut rebâtir la chrétienté. Pour cela, nous avons les Écritures, le Magistère et certains auteurs comme Saint Augustin ou Saint Thomas d'Aquin. Et effectivement, je n'ai rien inventé, j'ai juste étudié les textes et donc voilà. Ensuite, il y a une autre citation, c'est une promesse du Sacré-Cœur à Sainte Marguerite Marie Alacoque. Et Jésus, Dieu, régnera malgré ses ennemis. C'est un message d'espoir, car le bien finira par triompher et la civilisation de l'amour a vocation à exister. Et enfin, nous avons un avertissement du Saint-Esprit dans le livre de la Sagesse, chapitre 6, où effectivement le Saint-Esprit rappelle que plus nous avons de responsabilités et plus nous serons jugés rigoureusement. Donc c'est un avertissement à tous les chefs d'État. Donc là, nous passons à la table des matières. Chaque item fera l'objet d'une vidéo durant ce fameux vidéo feuilleton. Je pourrais faire des ajouts, voire de très légères modifications par rapport au texte initial. Mais on peut dire que le texte est définitif à plus de 95%. Alors, cependant, pour le devoir des hommes, j'ai déjà fait la vidéo. C'était une de mes premières vidéos, d'ailleurs. Donc je vous renvoie déjà à la vidéo que j'ai faite, je ne reviendrai pas là-dessus. Les annexes ne sont pas achevées encore, ça me prendra, pour l'instant les annexes ne sont pas achevées, mais ce sera fait dans les prochains jours. Donc le feuilleton durera plusieurs semaines vraisemblablement. Je n'ai pas fait de bibliographie, mais cependant, pendant le feuilleton, je pourrais préciser un peu mieux les choses. Tout de même, à ce stade, je vais quand même vous donner 2 indications.
La première, c'est la cité selon l'ordre social chrétien. C'est une petite brochure de 80 pages, donc qui coûte pas très cher. Et effectivement, c'est une très bonne synthèse de présentation des grandes notions qui font une cité catholique. On est dans le même état d'esprit que mon travail, en fait. Et c'est à peu près la même taille, d'ailleurs. Et donc voilà, cependant, mon projet est quand même plus concret et programmatique. Mais bon, cette petite brochure est quand même un bon complément. Et enfin, je voulais aussi vous signaler cet ouvrage Encyclique de combat, qui est quand même assez conséquent, qui fait 900 pages, et qui est d'ailleurs en cours de réimpression à l'heure actuelle, et qui revient sur des encycliques extrêmement importantes. Donc, si vous voulez consolider votre pensée politique, je vous renvoie à cet ouvrage qui comporte beaucoup de notes de bas de page qui sont très très bien faites. Voilà, je vous souhaite bonne continuation, que Dieu vous bénisse et à bientôt.